Alors donc, bienvenue à cette première Ch'ti Break d'étape sur mer, donc organisée par notre association Ch'ti Lug, qui donc regroupe en fait des fans de Lego sur la région. Donc, on rayonne 200 km autour de l'île, alors on a pas mal de Belges hein, aussi. Voilà, le principe de cette expo, c'est du Lego, 100% Lego, avec des gros dioramas, avec des plus petits modèles. Le principe c'est ça, c'est vraiment on va dire à peu près 80% de la surface qui est allouée à l'exposition, beaucoup de créations par les adhérentes et les adhérents. On retrouve également un espace construction pour les enfants, un espace vente puisqu'il en faut. On retrouve également la buvette avec des crêpes, on offre le café aussi pour les adultes. Voilà, il y a également le concours des adhérents, il y a une tombola. On fait gagner donc sur cette scène, ici même, on fait gagner à intervalles réguliers des boîtes de Lego aux enfants, aux parents. Voilà, hein, c'est un peu le principe de l'expo. C'est vraiment d'immerger les visiteurs dans l'expo, dans l'univers Lego. Voilà, donc c'est une première sur ce bassin de population puisqu'on n'est jamais venu encore dans vos terres. Voilà, donc c'est vraiment la toute première. On est sur 800 mètres carrés. Voilà, vous allez retrouver du Far West, vous allez retrouver un diorama sur les fonds marins, vous allez retrouver le grand bidule à balles qui fait plus de 30 mètres, donc avec tout un tas de modules motorisés et avec des billes qui font un circuit fermé. Vous allez retrouver du Star Wars bien sûr. Voilà, il y a vraiment de tout, il y a du train, il y a de la ville, il y a des créations sur des dessins animés, il y a du Disney, il y a vraiment plein de choses différentes, il y a la fusée Tintin. Donc une reproduction qui fait 2,85 m de haut avec 52 000 pièces. Voilà, donc il y a vraiment plein d'univers différents avec des manèges, avec voilà, plein de choses. Et on accueille donc les visiteurs. Donc aujourd'hui c'était 9h30, 18h30 et demain ce sera 9h30, 17h30. 3 euros l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà, et on espère qu'il y aura plein de monde. Et nous on est ravis d'être là pour cette première édition. On est ravis, je pense qu'aujourd'hui il y a eu du monde. J'ai pas encore les chiffres, mais il y a eu du monde. Et puis voilà, et puis on vous accueille demain encore avec grand plaisir. Quelque chose que l'on n'imaginait pas aussi beau, si grand. De surprise en surprise, fantastique. Je pense que c'est très bien, que ça doit prendre beaucoup de temps de faire tout ça, et c'est très beau.